Là, nous parlons de types of interests. Ok, nous avons beaucoup de types d'intérêts, de l'intérêt. Ok, que vous trouvez dans la liste ici. Il y a simple interest, compound interest, periodic interest, nominal interest, real interest, spot interest, forward interest, etc. Ça veut dire un gros ben type interest. Mais nous pas vous get tout, ok? Nous vous get juste simple interest et compound interest. Ok, simple interest, ça introduit la forme 2. Ok, après, il y a une question de forme 2, forme 3, forme 4, forme 5. Compound interest, ça introduit la forme 4. Ok, là, il y a une question de l'examen de forme 4 et forme 5. Ok, les restes, ça va intérêt qui reste là, ça n'est pas de syllabus, ok, ça ne va pas vous plus imposer. Capable de sujet comme économique, c'est business studies, ok, mais nous, dans mathématiques, nous intéressons avec ça, des types of interest, là. Simple interest, après compound interest, ok. Next, simple interest, ok, on va prendre l'exemple qui était ça, simple interest. On va capable de créer une petite théorie, mais théorie, là, pas pour trop étudier. Puis, on va prendre l'exemple, même si vous finissez de comprendre. Allez, si dans l'exemple, il y a un principal de 1000 roupies. Veut dire, on prend prêté 1000 roupies prêté. Next interest rate, là, c'est 10% par annum. Alors, 10% en plus pour vous besoin payer par l'année. OK? Et que vous retournez sur casse après 3 ans. Time, là, c'est 3 years. Right. Allez, nous sommes comprendre la situation. Là. Ça veut dire que time, là, vous pouvez observer l'évolution time, commencement, initially. Après un an, qui tu peux arriver? Après 2 ans, mais on a le payé après 3 ans. OK? Next, je vais check. Interest et amount. Je check le endpoint. Je connais après 3 ans qui me tient pour, retourner sur casse. Mais je check le endpoint. Allez, initially veut dire commencement. Commencement, est-ce que je vais payer l'intérêt? Fait comme je prends casse à prêter 1000 roupies. OK? Je vais dire, je prends 1000 roupies. Là, je vais trouver, eh non, je vais retourner sur casse, je vais avoir besoin de casse. Déçu. Comment je prends casse à prêter, même jour je vais retourner casse à. Et mon retenu sur 1000 roupies, moi, vous avez payé l'intérêt parce que c'est déjà ça l'année qui m'a besoin de payer 10%. Mais déjà, initially, commencement, tu n'as pas besoin de payer aucun intérêt. OK? Mais, amount, là, où est-ce 1000 roupies? OK? Combien amount, où est-ce 1000 roupies? Ça veut dire que c'est là pour retourner à cela, ça returning amount, là. Ça, c'est returning amount. Combien vous avez besoin de retourner? Ça fait que moi, je décide pour retourner commencement, initially, commencement. Moi, je prends prêté, moi, j'ai déjà pour retourner. L'intérêt, moi, pour vous payer parce que moi, j'ai besoin d'attendre un an pour me payer l'intérêt. Mais si je pour retourner, je retourne sur 10 000. Là, je prends 1 000 roupies pour être à toi, principal qui est 1 000 roupies. Right? Si je pour retourner, je retourne sur 10 000. Initialise, je retourne sur 10 000 roupies. Next, ce qui peut arriver, c'est que après un an, je suis pour payer 10 000. Là, je vais vous calculer l'intérêt. Là. Allez, comment nous calculer l'intérêt là, je te suis. Les 10% par annum, je vais nous calculer 10% fois ton principal. Combien de cas on prend prêté? 1 000 roupies on prend prêté. Si vous calculez des zéros coupés ici, 10 fois 10 fait 100 roupies. Mais c'est ça que l'année, tu peux besoin payer 100 roupies. OK? Ça veut dire après un an, tu peux besoin payer 100 roupies en plus. Alors, si tu es là pour retourner, returning amount, combien il peut être? Il faut 1000 roupies plus ça 100 roupies. Là. OK? Si un jour, il y en a pour retourner, casse ça après 10 ans que tu peux arriver, il peut besoin donner encore 100 roupies. OK, qu'est-ce que veut dire encore 100 roupies? Veut dire 100 roupies additionnelles encore. Veut dire, fait comment dire, dans la première année, tu as 1100 roupies, qu'est-ce là? Si après un an, tu n'as pas resté retourné, right, tu peux pour retourner 1100 roupies, right, mais si tu n'attends encore un an encore, après 10 ans, tu peux retourner encore 100 roupies. Il y a 1200 roupies en total, tu n'as pas retourné. À ce sens, tu peux attendre encore pour 3 ans. Là, la troisième année, là, tu peux payer encore 100 roupies. Je veux dire que après un an, 100 roupies, après 10 ans, 100 roupies, après 3 ans, 100 roupies. Chaque année, nous avons les bases de 100 roupies. Là, qui va arriver, right? Après 10 ans, combien de temps nous avons 200 roupies pour retourner, mais on attend encore un an, 3 ans, l'année, vous avez encore 100 roupies. Je veux dire 1300 roupies qui vont vous payer après 3 ans. Je veux dire, en total, combien l'intérêt est accumulé? 100 roupies première année, 100 roupies deuxième année, 100 roupies troisième année, vous trouvez l'intérêt là, après 3 ans, vous avez retenu 300 roupies. Plus mon principal 1000 roupies qui fait un total de 1500 roupies. Combien? 1300 roupies. OK? Next, ça, c'est nous c'est qu'on prend compound interest. Ça, c'est ce que tu trouves là, tu es là, ce fait là. Ça, c'est simple interest. De simple interest, vous payez même quand j'étais ça que l'année. Mais de compound interest, c'est pas comme ça. Même question, fait que mes principal 1000 roupies. Interest rate est 10% par an. Pareil comme pour l'exemple là, et time après 3 ans pour retenir sur casse. Mais là, il faut compound interest. Là, il est simple. Là, il est compound. Là, il y a un peu de travail pour te faire. Compound interest, c'est comment il déroule. Suivez. Mais j'aime beaucoup que le time,
right? Commencement qui est arrivé après un an, après 2 ans, après 3 ans. Next, beaucoup observe ce interest like amount. Alors, on comprend bien. Principal, veut dire, aujourd'hui, là, on prend 1000 roupies prêtées à mon camarade. Si moi, là, pour retourner, car initial, aujourd'hui même, est-ce que moi, besoin de l'intérêt? Non. Moi, je vais retourner ce amount, ce 1000 roupies. Veut dire, ce returning, je vais besoin de retourner 1000 roupies. Next, ça, c'est après un an qui peut arriver. Après un an, si nous calculons 10% de ton principal, là, tu as 10%, ça c'est un amount que tu vas retourner. Je fais ce 10%, si je fais 10% de 100 000 roupies là, il est pour faire combien? 100 roupies. Je veux dire, je vais besoin de 100 roupies en plus après un an. Je veux dire, mon amount qui me tient là, c'est 1 000 roupies, plus encore 100 roupies, ça veut dire 1100 roupies qui me paye après un an. Right là, dans simple interest, te donne 100 roupies première année, 100 roupies deuxième année, 100 roupies troisième année, 100 roupies accumulé chaque année. Mais de compound interest, ce n'est pas comme ça. De compound interest, tu gagnes un coup après un an, combien de temps tu as pour retourner? Après un an, tu as pour retourner 100 roupies, mais tu n'as pas resté retourner, non. Mais à ce stade, il y a le calcul l'intérêt pour deuxième année, là, comment? Pas 10% de ton principal, mais 10% de sa casse totale qui te tient pour retourner première année, là. Ok, right, là, pour besoin calculer 10% de combien casse maintenant pour retourner après un an, c'est 1100 roupies. Vous faites 10% de 1100 roupies, des 0 roupies. Là, il y a 10 fois 11, donc vous trouvez 10 fois 11 pour faire 110 roupies. Et c'est 110 roupies qui vont besoin retourner deuxième année. Regardez bien, première année là, pour vous gagner sur l'intérêt, vous avez casse initially, commencement là, les 1000 roupies, vous faites 10% de sa initial amount là, qui devine 10% de ton principal. Et c'est 100 roupies pour retourner première année. Mais total, quand même, après un an, c'est 1100 roupies qui me tient pour retourner. À ce stade, pour gagner deuxième année, là, sur l'intérêt, tu as besoin de faire 10% de sa total qui te gagne après un an. 10% de 1100, veut dire 110 roupies pour besoin de retourner. Veut dire combien de total qui me besoin de retourner après 10 ans, c'est maintenant 1100 roupies plus sa 110 roupies. Là. Qui fait dans combien? 1210 roupies. À ce stade, comment vous gagnez l'intérêt après troisième année? Là, vous avez besoin de faire, ça c'est comme par l'intérêt, c'est un petit peu compliqué ça. 10% de sa casse totale qui te tient pour payer après deuxième année là. Ok, c'est 1210. 10% de 1210. 0, 0 coupé, 0, 0 coupé, 121 fois 10. Non, attends, nous regardons un peu si tu corriges là. 1210, 0, et puis 121 roupies. Ok, veut dire 121 roupies qui donne 100, 120 et 1 roupie. Veut dire, troisième année, vous avez besoin de retourner 121 roupies. Et peut-être que tu as là, tu design à 1210 roupies, tu réajoutes 21 roupies. Combien de peux faire en total? 1231 roupies divisé après 3 ans. Ça veut dire, after 3 years, si tu as trouvé la campagne intéressante, comment elle est déroulée? After 3 years, tu as besoin de retenir un total de 1310 roupies. Ok, ça c'est la différence entre simple interest et compound interest. Le simple interest, chaque année tu payes pareil. Si première année tu payes 100 roupies en plus, chaque année 100 roupies en plus. Mais le compound interest, qu'à cela augmenter à l'IM. 100 roupies pour première année, deuxième année, 110 roupies, troisième année, tu ajoutes encore 121 roupies, il y a les mêmes comme ça. Ok, ça c'est compound interest. Next, ce que tu peux faire, nous voyons la différence entre simple interest et compound interest. Ok, nous observons la différence entre ça et là. Ok, allez, ça c'est un exemple. Si tu as un principal, même des banques matérielles, un principal de 1000 roupies, intérêt c'est à 10% par an, time là, les 3 years, de simple intérêt, nous observes cette information là, qui commence pas à pas payer aucun casse. Chaque année, si tu calcules 10% de ton principal fait 100 roupies, chaque année, tu mets 100 roupies additionnelles. Ça c'est de simple intérêt. Mais dans le compound interest, nous nous observons, commencement, te permettre l'intérêt. Première année, c'est 100 roupies additionnelles. Deuxième année, c'est 110 roupies additionnelles. Troisième année, c'est augmenté, il y a les mêmes. Ici, comment le premier coup de temps fini, calcule 10% de ton principal, tu ajoutes ça même chaque année. Ça, c'est le simple interest. Dans le compound interest, quand tu ajoutes 100 roupies, tu fais 10% de ça amount commencement là. Tu fais ce 10%, tu gagnes ça. 100 roupies là. Next, pour gagner deuxième année, ce cas, tu as besoin de faire 10% de sa total après première année là. Et là, tu as besoin de faire 10% de sa casse là, et là, tu gagnes ça ici là. Next, pour gagner troisième année, tout seul intérêt, tu as besoin de faire 10% de sa casse total un an avant là. Et là, qui te gagne ça l'intérêt. Je te remarque, donc, comme par intérêt, tu as l'intérêt augmenté à lui-même. Mais si tu prends prêté avec un camarade
si li peut-être payé pour comme par intérêt, tu ne sois casse vite vite parce qu'il l'intérêt là il augmente, 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 puis toi attends l'intérêt augmenter. Mais dans simple intérêt, l'intérêt là ça pas un pays pareil. OK? Là nous pouvons éteindre le nous pouvons observer un petit diagramme pour comprendre simple intérêt et compound interest. Right? Regardez pour remarquer simple intérêt et compound interest. Simple intérêt, vous mettez ça l'année. Regardez pour remarquer que là il y a 3 coins. Après un an, il est monté pour 4 coins, il est venu 5 coins, après encore un an, 6 coins, 7 coins. Mais il y a des gros lignes, comme nous observons, ça veut dire un joli petit escalier. Mais il y a un roupie qui peut augmenter sa planète. Après un an, après 10 ans, après 3 ans, après 4 ans, après 5 ans. Mais il y a ça, un roupie qui monte lignes, comme on appelle ça. Il fait comme la ligne. Ok, parce que un roupie qui peut monter, par exemple, il peut monter un escalier. Right? Il est facile ça. N pas, tu montes N pas en plus, N pas en plus, N pas en plus, N pas en plus. Ça, c'est simple intérêt qui arrive de l'argent, puis tu attends. Mais dans le compound interest, non. Donc, il y a un commencement, c'est qu'à ça, N, divinité, divinité, c'est pas 4, divinité en cours, divinité plus fort, il y a les mêmes. L'escalier est plus difficile pour te monter. Peut-être que tu peux faire un pas, divinité plus difficile pour aller. Parce que l'intérêt, il paraît pareil. Il n'y a pas de combien de coins additionnels, 4 coins, 3 coins, 10 coins, 20 coins, 50 coins, 120 coins, il augmente. Non linéaire, il augmente bien beaucoup. Ça, c'est comme par intérêt. Comme par intérêt, c'est l'intérêt. Plus tu attends, chaque année, l'intérêt là augmente beaucoup. Mais le simple intérêt, chaque année, l'intérêt là, il ajoute la même quantité. Ok? Ça veut dire là, dans cette vidéo là, ou soit aujourd'hui, nous pouvons dire simple intérêt, ok? Bien simple. Comme par intérêt, ça peut bien être forme 4. Et simple intérêt, ça peut bien être forme 2 et forme 4. Ok? Simple intérêt. Nous pouvons dire simple intérêt. Facile, direct. Ok? Avant de faire simple interest, il y a un symbole qui nous servir de ce chapitre. Discutons pour faire simple interest principle. Nous servir un symbole. Ok, pareil comme quand nous avons area, tout ça, c'est pas area is equal to length times width. Nous servir un symbole pour représenter area, length, width. Nous servir un symbole sur un alphabet. Et là, dans ce, nous servir un symbole de ce chapitre-là. Premier symbole, c'est principal. Principal, c'est sa money qui te borrow là, commencement, sa casse qui te prend prêté là. Ok, il commence par P, so initial P, nous vous servi symbole P pour représenter principal, casse qui te borrow de ce chapitre, nous vous servi alphabet P. Next, rate, ou soit percentage interest rate. Mais déjà, il faut que j'ai chaque année, combien l'intérêt, qui pourcentage l'intérêt que vous pouvez payer chaque année par annum, ça nous pour représenter ça par l'alphabet R. Ok, rate, là, il commence par R, mais déjà, nous servir l'alphabet R pour représenter ça. Next time in years. Après combien l'année, vous pouvez tirer casse ça depuis d'abord, vous retourner sur casse. Ok, après combien l'année, ça time là, après un an, vous pouvez retourner, après deux ans, après trois ans, time là, in years, nous pour représenter par T. Ok, capital letter T. Next, ça c'est simple interest. Simple interest, c'est interest of 30 years. Mais déjà, si mon diable pour retourner qu'à ça de 3 ans, mais après 3 ans, combien l'intérêt total qui vous pouvez payer? Ça c'est simple interest. Simple interest. Vous savez, ça mot, ça l'alphabet ILA pour représenter simple interest. Total interest. Si mon de 5 ans, si mon diable de 5 ans pour retourner sur casse, combien l'intérêt total vous pouvez retourner après 5 ans? Si 10 ans, combien l'intérêt total? Ça c'est simple interest. Ça l'intérêt total. Next, total amount, c'est comme vous pouvez retenir sur casse, vous pouvez retenir sur l'intérêt, vous pouvez retenir sur original amount aussi, c'est mon premier roupie pour retenir. Vous pouvez retenir sur 1000 roupies plus sur l'intérêt, ça nous donne sur total amount. Comment dire ça, amount de principal là, tu ajoutes avec le simple interest, right? Ça nous représente ça par l'alphabet A. Ok? Ça, c'est tout même symbole qui nous servir de ce chapitre là. Next, c'est si arrivé de principal, une fake gen de principal, nous pouvons représenter par P, de rate, interest rate par annum, nous pouvons représenter par R, rate. Next, de time in years, après combien d'années nous pouvons retenir sur casse, nous pouvons représenter par T. Right, il y a une formule qui nous pouvons rappeler. Formule là, c'est simple interest qui nous représente par l'alphabet I. Ce formule, c'est pi RT le 100. Ça, c'est une petite formule qui est capable d'aider toi. Right, I is equal, tu comprends bien, ça c'est I. I is equal to PRT le 100. I is equal to PRT le 100. Ça, c'est une formule qui est capable de toi gagner ça simple interest. Là. Même tu ne rappelles pas la formule, il y a un plan B. Donc, ça vient le trick pour rappeler la formule. Mais la formule est toi pour répondre à une question bien compliquée. Alors, il y a une formule pour simple interest. Simple interest I. Comment nous gagnons ça? Nous prenons principal. Nous foilons par rate. Ici, il y a un petit fois. Il faut foilons par time.
divise par 100. Pi or tilo 100. Ça, c'est comment nous gagnons simple interest. OK? Next, pour gagner total amount. Total amount veut dire, qui est représenté par l'alphabet A, total amount veut dire total comme tu as besoin de retourner. Et après, principal qui est besoin de retourner, quand je commence, moi, et tout l'intérêt. Et l'intérêt là, comment nous calculons ça, et nous faisons expliquer pi or tilo 100. Right là, et ça c'est formule qui nous a bien rappelé. Sa formule là, j'ai besoin de rappeler. Les formules qui ont besoin de usually remember, c'est sa formule là. Simple interest I is equal to pi or tilo 100. Ah, ça c'est une figure simple interest I. Comment tu gagnes tout à l'amende? Bien facile. Prends sa principale là, comme un casque petit prends prêté là, retourne sur l'intérêt. Ok, ça dit facile. Allez, nous prenons l'exemple. Right là, allez. Un exemple, je ne fais que ça l'exemple là. C'est un dimon, il prend casse prêté sur principal 1000 roupies. Ce rate, il est à 10% par an, pour vous en retourner. Next, pendant 3 ans, pour vous garder sa casse là. Ok, après 3 ans, comme un casse, pour vous. Right, allez, nous on calcule simple interest. Ça, t'es bien là, mais tu fais qu'est-ce que tu veux. Commencement, dimon là, pour vous en donner l'intérêt. Si vous pouvez retourner ta casse là, commencement, veut dire qu'il peut arriver, vous pouvez en retourner ta 1000 roupies. Ok, mon vous en retourne toi 1000 roupies. À ce stade, après un an, combien casse l'intérêt mon vous en retourne? Right, l'infini est à 10% par annum. C'est de faire 10% par annum. Par annum, c'est par l'année. 10% est au principal. Les 1000 roupies. Des 0 roupies, les 100 roupies. Right, à cause nous peut faire simple interest. Alors, chaque année, les 100 roupies. Et combien que l'année est à l'époque de casse à leur compte? 3 ans. C'est 100 roupies plus 100 roupies. Plus 100 roupies, il devient bien facile. Mais dire après 3 ans, combien de temps vous avez besoin de right là, get no écrit, ça va être simple interest qui pouvait venir. The simple interest pouvait venir. Combien? Ça veut dire en total après 3 ans, combien que l'intérêt vous avez besoin de retenir? C'est 300 roupies. The simple interest, il devient 300 roupies. Next, the total amount, combien vous venez? The total amount. Mais dire, le principal, comme elle dit, au commencement, 1000 roupies. Vous pouvez retourner sur 1000 roupies. Plus, sa 300 roupies additionnelle là. Et 1000 plus 300, comme elle fait, 1000 plus 300, fait à 1300 roupies. Vous voyez, ça c'est total. À ce moment-là, nécessaire de calculer après un an, après 10 ans, comme elle dit, après 3 ans, c'est le coût qu'on peut calculer 1300 roupies. Mais dire, 100 roupies accumulées pendant 3 ans, 300 roupies plus 2000 roupies, vous voyez, 1300 roupies qui te pourrait retourner du là. Ok? Next, ça, c'est nous capable de passer par sa formule là aussi. Formule là, comment nous gagnons total interest of the tiers. Ici, tiers, c'est 3 ans, parce que c'est après 3 ans, nous pouvons retenir ce cas. C'est formule là, simple interest, ce formule là, pi, or, ti, lo, 100. Ok, pi, c'est le principal. Combien casse que tu prends prêté? 1000. Te fois li par rate. Te rate, combien était les 10%? Gagne la li 10. Gagne bien 10%, là, gagne la li 10. Pas besoin de mettre 10% parce que l'infini met 10 le 100 en bas. Ok, 10% de l'infini met ça 100 là en bas. Tandis que tu remplaces ça 10 là par le formule là. Ça c'est ce qu'il y a avant percent sign là. Ok, et next c'est fois the time. Time comme il était, time après 3 ans qui m'a pour retenir sur casse. Comment il peut venir si nous simplifier ça? Il peut venir 0, 0 coupé, 100 fois 3 fait 300 roupies. C'est-à-dire en total pour 3 ans, vous avez payé 300 roupies. Next, total amount, comment tu gagnes ça? Ce formule qui était ça? Tu prends ton principal, plus tu prends ton simple interest I. Ok? Ton principal qui était, les 1000 roupies, plus ton principal, les 1000 roupies, ton simple interest, tu gagnes 300 roupies, l'intérêt total. C'est-à-dire total amount, tu vous avez payé 1300 roupies. Ah, ça, sa formule est extra facile. Parce que la formule là que tu as remarqué, pi or ti lo 100, si tu prends juste sa goutte là, pi or lo 100. Qu'est-ce que ça veut dire pi or lo 100? Pi fois or lo 100, c'est même qui te peut faire. Mais au fait, c'est même qui te fait là. Pi, c'est de prendre ton principal 1000 roupies, tu le fois par rate là, 10 lo 100. Quand tu fais ça, 1000 fois 10 lo 100, tu peux gagner l'intérêt pour un an. Mais quand tu peux faire pi fois or lo 100, tu gagnes l'intérêt pour un an. Là, tu multiplies l'hypothèse pour gagner l'intérêt pour commencer l'année de l'année. Ici, c'est 3 ans, à cause de ça, tu multiplies l'hypothèse 3. Ça veut dire qu'on fait 10 le 100 fois 1000, là, nous gagnons l'intérêt pour 1 an, là, nous fois l'hypothèse 3. Ça veut dire que la formule est bien facile. Ben, tu peux prendre ton principal, tu peux fois ton rate, autant pour 100, là, tu peux gagner pour 1 an, right, là, tu fois l'hypothèse, là, pour 3 ans, combien l'intérêt pour venir total. La formule, quand tu combines, c'est la même qui divise l'hypothèse de 100. Ok? Ça veut dire ça, c'est la formule qui nous capable de servir. Next, nous prenons le deuxième exemple. Ok, allez suivre. Là, nous avons pour 4 ans.
OK, là, nous avons le principal, il y a 20 000 roupies. Tu as 20 000 roupies qui te prend prêté. Rate, il n'y a pas besoin par annum. Rate, tu te servis formulaire, il n'y a pas besoin par annum. 5% par annum et time, c'est 4 ans. OK, allez, il y a des façons pour faire. Initialement, il y a pour payer l'intérêt. Amount qui tu as au commencement, c'est 20 000 roupies. Voilà, ça, c'est le principal. Après un an, combien tu peux payer? Et tu peux faire ce calcul-là. 5% fois 20 000, comment il fait? 0,0 coupé, 0,0 coupé et 5 fois 200, fait 1 000 roupies. Je veux dire, ça, l'année, vous avez payé 1000 roupies additionnelles. 1000 roupies, 1000 roupies, 1000 roupies, 1000 roupies. Vous ne pouvez pas le calculer, ça, indivisible, mais pas nécessaire. Mais en total, comme elle est venue là, ça veut dire qu'on prend 1000 roupies première année, 1000 roupies deuxième année, 1000 roupies troisième année, 1000 roupies quatrième année, 4000 roupies en total. Je veux dire, le total amende, comme elle est prêtée après 4 ans. Du coup, le principal, c'est 20 000 roupies, plus vous avez payé 4000 roupies en plus. Le total amount est combien? 24 000 roupies. Ça, c'est une façon pour faire. Deuxième façon, tu as un passeport formule. Total interest of the 10 years, of the 4 years. Ça va être 5 000, peut-être simple interest, qui nous représente par l'alphabet I. Simple interest, ça, comment nous gagnons? PRT, 100. Prends ton principal P, les 20 000, nous remplace la formule là. 20 000, fois le rate, les 5% qui est là. 5%, les 5%. Pour 100, ça veut dire que ça divise par 100 là, les 10 ans en bas, mais que tu remplaces 5 là, toi là-haut, fois le time, combien il était in years, après 4 ans. Next, si nous évaluons, que tu peux remarquer des 0 coupés ici, des 0 coupés ici, 200 fois 5, fais-toi 1000, 1000 fois 4, fais-toi 4000 roupies. Et tu gagnes ça total interest après 3 ans, après 4 ans là. Après 4 ans, le total interest in vain, 4000 roupies. Tu gagnes pour sa formule là. Next, total amount, comment tu gagnes ça? Total amount, tu représentes par A égale le principal plus le simple interest. Ok, à ça, tu vas recalculer le PRT. Tu vas faire une fin de calcul. Principal là, comment il était? Principal là, les 20 000. Plus le simple interest, l'intérêt total, les 4000. Là, tu peux payer 24 000 roupies. Et déjà, moi, je vais vous montrer des techniques là. Tu es capable, si tu te rappelles la formule là, tu es capable de travailler pour ça. Sinon, tu travailles un par un comme ça. Okay?